Ces dernières années, Michel Drucker a enchaîné les problèmes de santé, au grand dam de sa famille et de ses nombreux fans. En début d'année 2023, le présentateur a de nouveau dû être opéré et est aujourd'hui en convalescence. Ce jeudi 6 juillet 2023, l'un de ses amis et collègues a donné de ses nouvelles en direct. Petit à petit, lentement mais sûrement, Michel Drucker se remet de sa seconde opération du cœur. Et si l'animateur se concentre à 100% sur sa convalescence, il peut néanmoins compter sur le soutien sans faille de sa famille et de ses amis pour le soutenir et donner des nouvelles de sa part aux téléspectateurs inquiets. Si esti d'ailleurs ce coiffait Laurent lui a à l'antenne de France 2 le jeudi 6 juillet 2023. Alors qu'il présente actuellement le Tour de France, le journaliste sportif n'a pas pu s'empêcher de penser à Michel Drucker, lui-même grand fan de vélo. Michel, un grand coucou. Il nous regarde tous les jours, il se repose, il est en pleine forme, a affirmé Laurent Luyat, un grand sourire aux lèvres. Un autre journaliste présent autour de la table a alors révélé que le mythique présentateur était d'ailleurs déjà de nouveau sur son vélo. Il se trouve en effet que le mari de Dany Saval a toujours privilégié le vélo pour sa rééducation physique et cardiaque. En septembre 2020, après sa première opération du cœur, il avait confié suivre un emploi du temps sportif très drastique pour se remettre d'aplomb. Le vélo occupait alors une place à part entière dans ce programme. Une situation cardiaque compliquée. Aujourd'hui, 5 mois après sa seconde opération qui a eu lieu en février, l'animateur de Vivement Dimanche a repris un entraînement intensif. J'ai l'impression d'être un revenant, un survivant parce qu'au cours de ces 3 dernières années, j'ai traversé des périodes extrêmement compliquées sur le plan cardiaque. Point. La gêne est pour un mois de souffrance parce qu'il faut que je récupère 9 kg de muscles et si estime beaucoup. Avait-il expliqué au micro de RTL en mai dernier avant de dévoiler sa journée type de rééducation, « J'ai recommencé le vélo hier et je fais aussi des barres d'assouplissement car mon thorax a été ouvert à plusieurs reprises donc si esti encore très douloureux. » Pour rappel, en septembre 2020, Michel Drucker avait été opéré d'une endocardite infectieuse de la valve mitrale, due à une bactérie qui s'y était logée. L'animateur a aussi eu un rein touché et une jambe qui s'est en partie nécrosée a donc failli lui être amputée. Une chose est sûre, l'animateur revient de loin.